Qui des amis de Matthieu, des amis de Marc, des amis de Luc, des amis de Jean va devoir quitter l'aventure ce soir et qui va devoir poursuivre l'aventure? De mes attentes. Bien sûr que je m'attendais à ce que les résultats de ce soir soient beaucoup plus durs à annoncer que celui de la semaine passée, parce que nous sommes dans une phase où les candidats qui sont restés sont tous exceptionnels. Mais c'est la règle du concours. Il faut que des candidats tombent. Et pour ce soir, vous pouvez voter votre Rafiki préféré sur nos trois différents... Laïd Mosson. D'ici, laissez venir à moi les petits-enfants. Nous voici arrivés à l'étape cruciale de la compétition, les éliminations. Après chaque prime, nous découvrons ensemble les résultats qui sanctionnent les prestations des vos Rafiki. Les verdicts des votes cumulés aux notes du jury font que certains Rafiki ne peuvent pas poursuivre la compétition. C'est la règle du concours. Pour éviter tout départ précipité de votre Rafiki préféré de la compétition, il vous suffit de voter. Magnéto. Vous pouvez voter votre Rafiki préféré sur nos trois différentes plateformes de vote. Chatbot WhatsApp Mahadjabou Rafiki, application Mahadjabou Rafiki et sur les sites web www.mahadjabougospel.com. Blessing Shunju, choisissez 2. Baïd Mosongo, choisissez 3. Blessing Globo, choisissez 4. Pour Injoel Mbuluku, choisissez 9. Pour Israël Lofala, choisissez 11. Jacques Kalagila, choisissez 12. Pour Joyce Kalumuna, choisissez 15. Pour Lévina Bichaté, choisissez 16. Pour Merdivi Mokoko, choisissez 17. Pour Miradi Lusuna, choisissez 18. Pour Jules Boukassa, choisissez 19. Et pour Sephora Makassi, choisissez 20. Mahadjabou Rafiki, laissez venir à moi les petits-enfants. Vous les avez vus prester tout le long de ces primes. Ils nous captivent par leur voix unique et leurs interprétations émouvantes. Est-ce suffisant pour continuer l'aventure? Nous allons les savoir tout à l'heure avec l'huissier de justice, maître Célestin Onema, officier public et ministériel, près la cour d'appel Kinshasa-Gombe, qui va me remettre l'enveloppe contenant les résultats. Merci maître, je vous prie de vous asseoir. Quatre équipes, 12 Rafiki encore en course. Et certainement, le nombre des Rafiki va baisser à l'issue de ces primes. Je rappelle que dans chaque équipe, il nous reste 3 Rafiki. Je rappelle encore une fois de plus, chers téléspectateurs, que dans chaque équipe, il nous reste 3 candidats. Les amis de Matthieu, Miradi Lusuna, Israël Lofala, Injoel Mbuluku, les amis de Marc, Jacques Kaladila, Jules Boukassa, Blessing Lobo, les amis de Luc, Baïv Mosengo, Lévina Bichaté et Merdivi Mokoko. Et les amis de Jean également, Joyce Kalumuna, Sephora Makassi et Blessing Shunju. Qui des amis de Matthieu, des amis de Marc, des amis de Luc, des amis de Jean va devoir quitter l'aventure ce soir et qui va devoir poursuivre l'aventure. Mesdames et messieurs, je vous assure qu'en ces moments précis, le monde entier retient son souffle.
je veux procéder à la découverte des résultats et faire ensuite la grande annonce de la soirée. Chers téléspectateurs, je suis là pour me rassurer que ces instants, vous les viviez entièrement et intensement. C'est aussi ici l'occasion pour moi de rappeler que les éliminations sont faites en fonction des notes du jury et du vote du public. Les notes du jury qui comptent pour 60% et les votes du public qui comptent pour 40%. En dernier lieu, un rappel très important par rapport à ces éliminations, c'est qu'elles sont faites en tenant compte du critère de l'âge. Les Rafiki qui sont répartis en deux catégories, ceux des 8 à 13 ans et ceux des 14 à 17 ans. Ces critères qui ont même été pris en compte pour leur recrutement en cette phase des primes. Revenons donc à la question centrale qui nous rassemble ce soir, celle de savoir qui des amis, des gens, des amis, des Marc, des amis, des Luc, des amis, des Mathieu, va devoir être débarqué de la compétition ce soir et rejoindre les 8 Rafiki qui sont partis la semaine dernière. Tout à l'heure, en ouvrant l'enveloppe, mon cœur a battu la chamade parce que c'est au-delà de mes attentes. Bien sûr que je m'attendais à ce que les résultats de ce soir soient beaucoup plus durs à annoncer que celui de la semaine passée, parce que nous sommes dans une phase où les candidats qui sont restés sont tous exceptionnels. Mais c'est la règle du concours. Il faut que des candidats tombent. Et pour ce soir, les verdicts que je tiens dans l'enveloppe attestent que sont débarqués de la compétition les candidats. Aucun candidat n'est débarqué de la compétition, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Pour ce soir, les résultats que contient cette enveloppe attestent que tous les 12 Rafiki poursuivent la compétition. J'imagine les grands cris et les oufs de soulagement que vous avez poussés derrière vos écrans. Je vous assure que si pour ce soir, aucun candidat n'est débarqué de la compétition, mesdames et messieurs, la semaine prochaine, ça va être chaud. Pour éviter que votre candidat soit débarqué, vous savez ce que vous avez à faire. Votez pour votre candidat préféré. Merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Majabou Gospel, sur nos réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, TikTok, sur notre chaîne de télévision, Majabou TV, canal 83 TNT, et ainsi que sur l'ensemble de nos télévisions partenaires. On se retrouve la semaine prochaine. Et ça sera quelle semaine? Vous allez les découvrir les moments venus. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.